Jeudi, c'est dimanche 4 septembre 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et nous sommes bienvenue sur tvlakayhaiti.com. Nous comptons rejoindre pour nous porter vidéo ça pour vous. Parmi grand prix, nous avons dominé l'actualité, mesdames et messieurs. Eh bien, Zam ça, vous regardez sur l'écran là. Eh bien, c'est un M16. Et selon ça, eh bien, des vétérans baillent comme information sur Zam ça que la police saisit dans Saint-Ludicide. Non, mais, eh bien, plusieurs bandits, c'est un Zam qui était fabriqué dans le pays, les États-Unis, pour guerre Vietnam. Ça veut dire si Zam ça arrivé en Haïti, il pas arrivé comme ça, il y a une grande explication que le gouvernement haïtien doit joindre dans le gouvernement américain. Mesdames et messieurs, ou bien t'a dit ambassade américaine, parce que c'est eux-mêmes qui dirigent le pays, c'est eux-mêmes qui disent, c'est eux-mêmes qui font, c'est eux-mêmes qui séparent, c'est eux coupés. Eh bien, Ariel supposé demander explication sur Zam M16 ça, qui lui-même entre dans le pays et aujourd'hui dans mes bandits. Comment le faire arriver? Côté le sorti? Est-ce que c'est dans Zam qui a entré illégalement dans le pays? Zam ça a tavini? Eh bien, c'est des questions qui a posé, mais nous ne pouvons pas jouer une réponse. En tout cas, nous allons inviter ou en gain de détails. Et puis, la police tout qui a même pété fiel des gros trafiquants. Eh bien, nèg sa yo même qui tombé mortellement blessé. Nous battons bravo pour la police. Commissaire Muscadet, encore une fois, frappé plus fort et fois ça. Bagay la pas douce même pour bandio. Et nous connaissons Muscadet si on nèg qui pas joué dans la question. Et donc, insécurité, Muscadet pas vle ouè ça. Même ça, les bandits. Eh bien, depuis le croisé avec yo, son véritable cauchemar pour bandi. En tout cas, nous parlons faire autant de comment et bien Zam ça lui même qui aujourd'hui dans mes bandits et ces Zam là mais américaine mes amis bagay la vraiment arrivé dans niveau là li pas jouer encore parce que américain décidé pour fini avec un petit pays noir Haïti chéri. Bon écoute tout le monde, bon dimanche, n'a tourné une opération qui était arrivé possible de coster avec agent Idmo et département studio et nous capable dire et également et agents et BLTS qui ont même arrivé et possédé avec et bien et saisi plusieurs gros armes ça dans cadre opération sur la guerre, plusieurs gros trafiquants qui arrivaient tombés, mesdames messieurs, blessés mortellement. C'est pas arrêté messieurs. Et bien monsieur ça qui était en possession des armes ça, et bien la police arrive vidéo à terre. Bon, dans cas ça gars qui était souhaité à ce que monsieur Pat Mongote dit côté avec Zam Sayo, mais la police arrive justement et blessé mortellement. Donc ça veut dire que monsieur est capable et les possibilités là pour explication en temps difficile pour ta joindre par rapport avec origine Zam Sayo. Comme nous avons information sur origine Zam Sayo côté où sorti, mais comment on fait venir là, depuis qu'il est venu là, par qui est-ce qui te permet à ce qu'il est venu là? Donc ce sont des questions qu'on se pose et pour l'instant présent, mais nous sommes capables de dire Salomon jusqu'à date. Monsieur Sarki, et nous gagnons la réunion certain, Michel Sénat, alias Pepe, qui arrive qui la police arrive testé, et qui également Tirastan si connu, qui arrive justement tombé, même je n'ai déjà dit dans l'émission précédente là. Donc, je pense que c'est un dossier qui l'a suivi de près. Donc, qui est-ce qui vient à examen ça? Et même Jean, et gagne explication qui m'a dit pour que le gouvernement haïtien fasse les marches pour qu'on ait de la bon côté gouvernement américain. Pour qu'on ait comment Zam Sayo, c'est des armes qui sont très dangereuses, des armes que l'armée américaine a utilisées lorsque vous êtes dans la guerre Vietnam, et bien, qui nous jouent dans le pays d'Haïti, des armes qui tirent, des armes de haute portée qui sont capables de tirer 3 km, et bien, qui nous jouent dans le pays à là, côté que justement, et bien, qui est habitué à utiliser pour détruire la vie chrétienne vivant, et n'a pas appelé, et bien, opération a terminé dans le bain du Mel au niveau du département Saint-Louis et du Sud, au niveau du département du Sud. Donc, nous capables de suivre et à partir des jours à bien là, est-ce que finalement le gouvernement lui-même dit qu'il peut accepter pour faire des marches pour qu'on commence à me faire arriver là, par qui moyen, mais un dossier qui reste à suivre, mesdames, messieurs, et qui s'acte à gagner à partir de, en ce qui concerne le dossier ça et Salomon. Oui, je sais. Bon, techniquement, mesdames, messieurs, je pense qu'en même temps, et ça n'a pas étonné nous vraiment. Et là nous parlons des Zam ça M1650 dans pays nous avons un pilote calibre, c'est des gros armes qui ont entré, mais là spécialement c'est parce que nous bien précisons que c'est pour l'armée américaine, hein, les préciser avec numéro série. Techniquement, j'en nous dis, il faut qu'il y ait une enquête sérieuse
faut qu'il y ait une enquête au plus haut niveau qui ouvre sous âme ça, sous calibre ça. Parce que techniquement, pas oublier, l'on parle de l'armée américaine, l'armée en général, monsieur Sao très discipliné. Et l'on peut dire, il y a une grande âme, pour pas dire, il y a une grande balle, eh bien, il y a une explication pour bail. Ou gen explication pou bay et m'ap salye m konnen grand pile ancien militaire kap tande nou la yo même yo capable pote un peu plus d'explication sur ça mais quand même c'est très grave j'en nous dit c'est pas normal parce que sou youn c'est sur certain mesdames messieurs c'est bon grain dans simplement gain c'est pas ça ça simplement gain mais n'empêche li inquiétant mais si n'ap tande après Ariel bon écoute esclave ça li même nous fin rivé mais techniquement faut qu'on action poser sous dossier ça parce que j'en nous dit eh bien zamnan li identifié c'est quand même très sérieux non dossier ça monsieur en nous avancer nous pas arrêter nous pas et nous tout dit moun yo nous pas venir pour l'appel là même ou sur channel moun affaire mon tv nous pas venir faire mon plaisir nous une bonne info et puis nous venir critiquer sac de critiquer et puis sac de corriger et puis s'il le faut n'a pas des solutions monsieur en nous avancer avec actualité yo. Et Jimmy, nous songeons tout dernièrement là, ministre intérieur en Floride, pour équipe Banzam de nous présenter et pour démontrer que y a même bon travail à faire pour empêcher Zam d'entrer en Haïti. Mais si on dit nous, ouais Zam y a monté nous, ça y a monté nous, c'est vrai, y a monté nous des de cause Zam de guerre qui est à 3000 mètres. Mais si on dit nous ça, ça ouais y a monté nous pas rien devant ça à bouillir. Son jet, mesdames, son film qui a monté ensemble avec nous. Et puis, au point pause, il a monté nous, il a aidé nous combattre des gens qui sont des âmes qui sont importantes dans le pays. Et pourtant, vous avez été des gros âmes qui sont toujours importantes dans le pays. Elle dit, mesdames, ça nous habitue avec vous. Elle dit, nous allons quitter le monde pour nous prendre pour marionnettes. Nous allons quitter le monde venant servir avec nous. Comme quoi, et nous sommes tous du temps et de honnête. Et vous qui faites filo cognac, pas une question où était la Konya ou à promouvoir pour vous qui, eh bien, Konya là, ou pour avoir ce malice et j'ai l'esprit, eh bien, j'en saute. Mais pas une question, j'en saute encore, mais vous. Eh bien, nous avons dit, Léonel, la police qui continue à traquer bandits, continue à traquer vagabonds en Haïti. La police choisit dans ce lieu du Sud, nous avons dit, il y a un M16A1 qui s'est propriété gouvernement américain. Vétéran l'armée américaine Rod Joseph a demandé au gouvernement haïtien exiger explication bon côté gouvernement États-Unis. Selon lui-même, Zam Sak E1, c'est lui M16 qui s'est fait pour guerre Vietnam, pas qu'à atterrir comme ça, comme ça. Bon, là, Léonel, nous commençons, les États-Unis ont fait pourrir la pour Haïti. Ça veut dire, nous, nous avons nouveaux Zam. Yo bay bon zam, tout ancien zam gen la kouna ou gen, mais ça m'a dit nous. Kouna, jodi a, est-ce que nous pas capoter du doigt nous, faire, ouais, dit. Et c'est que son zam nan la police qui saisit dans l'enseignement du Sud, nous quand on parle yon M16A1 qui se propriété gouvernement américain, vétéran l'armée américaine, Rod Joseph mandé gouvernement, a été pour exiger explication bon côté gouvernement États-Unis. Selon lui-même, Zam Sak, c'est M16, qui est pour guerre Vietnam, pas qu'à atterrir comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des explications que le gouvernement américain doit fournir avec Haïti. Qui est-ce qui demande des explications, Salomon? Oui, nous allons parler de Rod Joseph. Rod Joseph, qui est vétéran de l'armée américaine, mais il demande au gouvernement haïtien, pour dire qui gouvernement encore. Exiger explication bon côté gouvernement états-unien, ça veut dire, il y a un vétéran, il y a un ancien cadre dans l'armée américaine qui dit qu'il faut demander explication et faut gouvernement haïtien demander et gouvernement américain explication parce que Zam ça, il fait pour guerre Vietnam, il n'y a pas qu'à atterrir comme ça, soit en Haïti, il y a une mission, il y a une paix, parce que les gens de Cali Zam ça, ils ont dit, ils ont côté de confisquer, ils ont dit, la marché, la prenait, ou elle a dit, en Haïti, ça veut dire, il n'y a pas pour en Haïti comme ça, ça veut dire, Jean vétéran parlé, et bien, gouvernement t'a supposé demander explication avec l'autorité américaine. Comment faisant ça, l'interdit par la durée, l'entrée en dedans. Nous retournons là avec un bulletin d'information chargé, pour des grands piles révélations là, et bien, justement, nous connaissons là, et si nous croyons, mesdames, messieurs, et bien, importante saisie qui fait là au niveau du département du Sud, mesdames, messieurs, causé dans la République, eh bien, il y a une grosse arme que les États-Unis ont utilisé
pour aller dans la guerre Vietnam, époque de guerre Vietnam, non, et bien, ils découvrent la police nationale dans le cadre d'une opération conjointe mélangée avec justement, eh bien, agent BLTS, de découvrir ça dans la baie du Mel, au niveau, eh bien, justement, commune Saint-Louis, et bien, côté de Zamsa, qui lui-même actuellement là, est soulevé en pile débat dans l'opinion publique là, qui est-ce qui veut Zamsa, quand je viens là, et puis qui est venu là, quelle sera la prochaine décision qui va prendre, bon côté, les autorités américaines et des conseils avec les autorités haïtiennes, concernant Zamsa, et bien, c'est pour la première fois nous là, il y a Zam qui c'est lui-même, propriété de l'armée américaine, c'est là qu'il y a dans le pays d'Haïti, pour nous faire qui ça, pour que la police arrive, et saisir Zamsa, dans le cadre échange de tir, et bien, qui t'a fait avec des bandits, pour que non seulement la police, et bien, justement, tue les bandits, et la police arrive, saisir Zamsa, et dans le cadre d'opération Sardini, c'est plusieurs Zams qui arrivent saisis, et bien, dans le cadre, on a parlé de M16A, qui la police saisit au niveau de Benzimel, et qui est au niveau du département du sud du pays, Salomon. Qui dit Goumé, Goumé, qui a fait arriver dans le filo. Ça veut dire qui ça? Je veux dire, même les ouais, je veux dire, même les ouais, Haïti vraiment passif. Mais bonjour, comme je veux dire, lorsqu'on dit mon Léonel, ou pour ou à Balzocro, ils ont l'air là pour révolter. Et l'air là pour révolter, la révolte est mal. Et même, j'en ai capé de battre en forme, il bat, mais bon, les femmes, ça l'air révolté, ou après, ou même, les carottes qu'on a bali, et tout ce qu'on a soufflé, c'est coupé qu'on a bali, la bralon couteau, il prend un déo, ou bien, il va aller, lui, ton abdomen, il prend l'huile sol, vide sous, sortant de la tour, la paix. Et même, j'en suis. Là, ouais, les grands pays, ça, ils ont pris ensemble des pays, ils ont fait un souffle, mais le jour, pays, ça a révolté, et là, ça a une coalition, et là, ça va pas supporter eux parce que, ils ont joué quand même la fin de jour. Ils ont joué quand même, Abraham Gebouzi, c'est assez. Abraham Gebouzi, c'est assez parce que, le bagage n'a pas arrêté comme ça. Ils ont joué comme je dis, les États-Unis, et, regardez pour eux. Comment? Et à travers le monde, comment c'est qu'on bouleverse à travers le monde. Et bouleverse, on regarde à travers le monde, là, les gars, au profit haïtien. La fin de nous,